Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Bonsoir à tous, welcome to the Zion people. Bienvenue à tous dans votre émission Habitants de Sion, 30 minutes dans la présence de Dieu avant de s'endormir. Bonsoir ceux qui nous regardent depuis Genève, ceux qui nous regardent depuis la Suisse, la métropole, l'île Maurice, Madagascar. Alors j'ai dit en anglais parce que j'ai su que la semaine dernière les États-Unis nous a regardés. Alors bienvenue à tous, welcome. Et nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer un excellent moment dans l'adoration, dans ce que notre Père aime. Ce soir nous allons prier avec le psaume 15 et nous allons d'abord accueillir bonsoir Claudéric. Bonsoir Vanessa, shalom à tous et soyez la bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Bonsoir Aurel. Salut à tous, bienvenue. Bonsoir tout le monde, prenez place. On vous invite vraiment à vous mettre à l'aise dans ce temps, à vous conditionner à ce que vous soyez vraiment disposé à ouvrir votre cœur à la prière, ouvrir votre cœur à l'adoration. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Amen. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors ce soir, dans le psaume 15, nous allons nous laisser transporter dans la gloire de Dieu. Nous allons nous laisser, nous qui sommes les habitants de Sion, monter, grimper, escalader, je dirais, cette montagne sainte et y arriver. Amen. Amen. Alléluia, quelle belle aventure. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons expérimenter ta gloire ce soir. Venez, commence à prier avec moi. Commence à disposer ton cœur. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour notre semaine. Merci parce que tu t'es manifesté. Tu as été présent chaque jour. Tu as été fidèle, Seigneur. Oui, Jésus, tu es couronné de gloire. Tu es saint, saint, saint. Tu nous permets d'entrer dans ta sainte présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous. Parce qu'il est fidèle. Un compagnon fidèle. Tu as dit quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons, Saint-Esprit, que tu es déjà là. Que tu as déjà prévu ce temps. Que ce temps ce soir va être merveilleux. Que tu vas toucher ceux qui ont ouvert la porte de leur cœur. Alors, je t'invite à ouvrir ce qu'il y a de plus extraordinaire, une richesse en toi, la porte de ton cœur, afin que le Saint-Esprit puisse entrer. Tu peux parler à ton âme, tu peux parler à ton intelligence, tu peux parler à ta propre chair. Tiens, je veux que mon cœur soit ouvert ce soir. Saint-Esprit, je t'ouvre la porte de mon cœur ce soir. Jésus, entre, viens habiter dans mon cœur. Parce que moi-même, je veux habiter chez toi. Je veux habiter dans les lieux très saints avec toi. Ô Père de gloire, Père majestueux, je veux toucher cette dimension de ta gloire, entrer dans cette dimension de la gloire avec toi. Parce que tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Parce qu'il t'a conçu avec amour et patience. Il te connaissait bien avant que tu naisses. Il t'a façonné, il t'a déposé avec amour et tendresse dans le sein maternel. Alors tu peux te tourner vers ce bon Père qui a sacrifié son Fils pour toi et moi, avec un cœur de reconnaissance et dire qui il est pour toi. Oui, tu es mon Père glorieux. Tu es celui que j'aime par-dessus tout. Oh Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, celui que j'ai pris en majesté dans ma vie, celui que j'ai pris comme époux. Oui, tu es mon roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu marches et tu règnes en majesté dans ma vie. Dis-le, exprime-toi. Ouvre seulement ta bouche, déclare la Bible. Et je la remplirai. Ouvre la porte de ton cœur. Fais sortir de ce qu'il y a de plus profond de ton cœur. Que tu peux tout, Alléluia, oui, tu peux tout, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible.
Je crois en toi. J'ai mis ma foi et mon espérance en toi. Alléluia. Oui, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Que tu peux nous transformer. Oui. Commence à élever les mains. Je reconnais. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer, bien-aimé. Commence à lui dire qu'il est le Dieu qui peut tout pour toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Mais Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce soir. Pose sur nous le manteau de ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, je veux voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi. Écris dans ta parole que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Que celui qui a des yeux, qu'il voit. C'est ça, ouvre nos oreilles spirituelles, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux spirituels, Saint-Esprit. Afin que nous puissions entendre la gloire de Dieu. Cette gloire manifeste. Afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tu as dit encore dans cette même parole que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons nous élever dans une dimension d'une foi infaillible. Une foi boostée. Amen. Une foi fortifiée. Tu répètes après moi. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vie. Ta parole est vie. Ta parole est un rempart sur mon chemin. Ta parole est un rempart. Seigneur, je veux marcher dans tes voies étroites. Seigneur, à tes côtés. Je ne veux pas m'éloigner de ta vérité. Pas m'éloigner de ta vérité. Je veux rester accroché au pan de ton vêtement, accroché Jésus. Au pan de ton vêtement. Être au plus près de toi. Au plus près de toi. Être confondu en toi. Confondu en toi. Et que toi-même, par ton Saint-Esprit, tu te confonds en moi. Que tu habites en moi. Oh oui, Saint-Esprit, prends toute la place. Encore, encore et encore. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, viens habiter dans ce lieu. Viens habiter parmi nous. Viens manifester la gloire de Dieu. Viens manifester la présence de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, c'est toi qui es la démonstration de la puissance de Dieu. Ô Saint-Esprit, merveilleux, glorieux, majestueux, bon, doux Saint-Esprit, sois à l'honneur ce soir. Alléluia.
soit à l'honneur dans la vie de chaque personne. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, je crois que cette personne du Saint-Esprit, plus j'apprends à connaître le Saint-Esprit, plus je me rends compte que quand la Bible le décrit comme une colombe, il aime quand on le complimente, quand on lui dit « merveilleux, glorieux, bon Saint-Esprit, doux Saint-Esprit ». Je crois que tu peux complimenter le Saint-Esprit ce soir et expérimenter comment il y a une réjouissance qui naît en toi. Et cette réjouissance la même est celle du Saint-Esprit. Parce qu'il est tellement gentleman, tellement délicat, tellement doux. Il se fait sentir comme un souffle léger. Alléluia. Alléluia. Oui, fais-nous voir ta gloire ce soir. Nous voulons entrer dans cette dimension. Oh Seigneur, dans cette dimension de la foi. Seigneur, même si je ne te sens pas, tu as dit ne marchez pas par la vue. Marchez par la foi. Seigneur, je veux ta gloire. Marcher dans la dimension de la foi, Seigneur, même si je ne te sens pas, mais je crois. Je crois, alors je verrai. Parce que je crois, je verrai. Ta parole est vie et vérité. Amen. Sa parole est vie et vérité. N'attends pas à ce que tu ressentes quoi que ce soit. Marche dans la dimension de la foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ta gloire. Autorité, bien-aimé. Frère et soeur, prends avec moi autorité. Non pas sur ce qui est autour de toi, mais sur toi-même. Prends autorité sur l'esprit d'incrédulité que tu peux avoir. Oui, répète après moi. Ce soir, je renonce à l'incrédulité. J'abandonne l'incrédulité. Je vais m'élever dans la dimension de la foi. Parce que je crois en ta parole. Elle est éternelle. Elle est au-dessus de moi-même. Oui, Seigneur, je me place dans la dimension de celle qui croit, dans la dimension de celui qui croit ce soir. Non pas dans la chair, mais parce que tu es mon Père et que tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Je me place dans la dimension spirituelle. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi ce soir. Et nous allons parcourir, marcher dans la parole, avancer dans la parole, dans le psaume 15. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Le psaume 15 nous invite à prendre position, nous donne des clés pour être prédisposés à habiter dans la sainte montagne, sur la montagne de Sion. Et je crois que si nous voulons être de véritables adorateurs, c'est ce lieu-là que nous devons aspirer. Amen. Nous avons foi en notre salut. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas sûr de ton salut, d'avoir la vie éternelle, alors je t'invite avec moi à répéter cette prière d'abandon, pas seulement dire pour le dire, mais l'exprimer dans ton cœur. Alléluia. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je reconnais que tu m'as sauvé à la croix. Et je te prends pour mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne le volant de ma vie, Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te donne toute ma vie. Fais-en un sujet de gloire pour toi, pour l'éternel. Je veux recevoir ton Saint-Esprit. Je veux que tu fasses de moi ton temple.
Je veux arriver dans une dimension supérieure de la foi. Je veux naître de nouveau et t'appartenir entièrement parce que je t'aime. Oui, je te donne ma vie, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si tu avais déjà donné ta vie à Jésus, alors ne doute pas de ton salut. Satan est un menteur. Mais ne vise pas seulement le salut. Parce que dans le royaume, il y a plusieurs lieux. Toi et moi, nous devons aspirer au lieu très saint. Aspirer à être dans la présence de la gloire de Dieu, sur la montagne sainte. C'est pourquoi nous allons prier avec ce psaume. Et Dieu va nous donner les clés pour accéder à cette montagne de Sion. Amen. Amen. Psaume de David. The Psalm of David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta sainte montagne? Lord, who shall abide in the tabernacle? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Who shall dwell in thy holy hill? Celui qui marche dans l'intégrité. He that walketh uprightly, qui pratique la justice, and walketh righteousness, et qui vit et qui dit la vérité selon son cœur, and speaketh the truth in his heart. Il ne calomnie point avec sa langue, he that backbite not with his tongue, et ne fait point de mal à son semblable, nor doeth evil to his neighbor. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. And reproach against his neighbor. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. In whose eye a vile person is condemned. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. But he honors them that fear the Lord. Il ne se rétracte point s'il a fait un serment à son préjudice. He that swear not to his own hurt and changeth not. Il n'exige point d'intérêt de son argent. He that putteth not out his money to usury. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Nor take up the reward against the innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. He that doeth these things shall never be moved. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, merci pour les clés que tu nous donnes. Merci pour les principes que tu nous donnes pour pouvoir habiter sur cette sainte montagne. Seigneur, tu dis dans ta même parole, Israël, Israël, fais demi-tour et tu me trouveras. Seigneur, si nous avons emprunté une voie qui ne te convient pas, que par l'aide du Saint-Esprit, nous puissions nous retourner, sortir du chemin du péché et entrer dans le chemin de la sanctification. Mener une vie sainte. Sanctifier notre bouche. Sanctifier notre cœur. Prendre soin de notre prochain. Mépriser ce qui est méprisable. Et honorer ce qui est honorable. Seigneur, nous devons reconnaître que tout vient de toi, que si nous bénissons un frère, si nous empruntons à un frère, nous ne pouvons pas lui demander de l'intérêt, parce que toi-même tu nous as bénis afin de pouvoir bénir les autres. Alors nous devons être justes comme toi-même tu es juste. Nous devons attendre le dû selon la mesure que nous avons donnée. Je crois que vraiment toutes ces paroles, le Seigneur nous appelle à une vie de sanctification, à renoncer à ce que nous appelons le ladilafé, le palabre, le mépris, le blasphème, la méchanceté. Seigneur, ceux qui ont reçu le salut, mais qui restent dans ces voies, tu dis toi-même, ceux-là n'habiteront pas sur ta montagne sainte.
Parce que cette parole n'est pas pour ceux qui ne te connaissent pas. Cette parole est pour ceux qui te connaissent. Tu cherches un homme selon ton cœur. Et tu dis que dans notre cœur doit se trouver la vérité, parce que tu es un Dieu vrai. Jésus, tu t'es fait homme parmi les hommes, parce qu'il ne te suffisait pas de connaître ce qu'il vivait du haut du ciel. Non, non, tu voulais vivre en vérité la souffrance de l'homme. Tu as connu en vérité combien c'était dur la faim, combien la souffrance du travail était dure. Tu es un Dieu tellement de vérité. Nous devons être vérité avec nous-mêmes, faire vérité sur nous-mêmes, afin de pouvoir être vrais avec les autres. Amen. Seigneur, si nous croyons que tu es le chemin, nous devons marcher dans cette ligne que tu nous donnes. Amen. 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 Si nous croyons que tu es la vérité, nous devons faire vérité sur nous-mêmes, parce que tu es cette lumière qui vient dans le monde, afin d'éclairer ce qui est sombre en nous. Comme un miroir, nous regardons, nous contemplons comme dans un miroir, afin d'être transformés. Mais ce que nous regardons, Seigneur, c'est nous-mêmes, afin d'être transformés dans ta gloire. Oui, Seigneur, tu es ce miroir qui est cette vérité sur nous-mêmes. Parce que tu veux une vie Zoé pour nous. Tu es la vie Zoé. Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie Zoé. Oh, combien nous t'aimons pour cela, Jésus. Combien nous t'aimons pour cela, Jésus. Oh, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, ce soir, que toi, tu nous as envoyé le Saint-Esprit habiter en nous. Parce que tu savais qu'il y avait du travail en nous. Que seuls nous ne pourrons pas y arriver. Mais à cause du Saint-Esprit, cette aide que tu nous as envoyée, le tout est possible et encore possible. Bien-aimé, c'est encore possible pour toi. Mais ne désespère pas pour celui qui est dans ta maison. Ne désespère pas pour celui que tu as responsabilité. Ne désespère pas pour celui qui est en train de te faire du mal en ce moment. La Bible déclare « Prie pour ton ennemi ». Ne le maudis pas « Prie pour ton ennemi ». Parce que si tu as l'espérance absolue, une foi absolue, alors à cause de ta prière, à cause de ta foi, tu peux, tu l'as cerclé dans un amour, dans un cercle de feu. Le Saint-Esprit peut le toucher, le transformer. Amen. Seulement si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, je reconnais que tu peux tout. Que tu es le Dieu de l'impossible. Et que tu marches en majesté. Tu cherches un homme, une femme de foi, afin de pouvoir manifester ta gloire. Thank you, Lord. Oui, thank you, Lord. Yes. Thank you. Thank you, Lord. Jesus is the Lord tonight. Tu es le roi de gloire. Thank you, merci pour ton Saint-Esprit. Cette main qui peut nous toucher, cette main qui peut nous transformer, cette main dans laquelle est déployée toute la gloire de Dieu, toute la puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, amène-nous dans les dimensions supérieures. De gloire en gloire, fais-nous monter, amen, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Nous voulons monter dans une dimension supérieure ce soir. Élever notre foi dans la dimension de Dieu. Dans le tout est possible qui est encore possible. Est-ce que tu crois? Alors dis, je crois. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que rien n'est désespéré. J'aspire en toi. J'ai mis mon espérance en toi. Je crois que tu peux changer ma situation. Je crois que tu peux prendre la montagne qui est devant moi et de la jeter dans la mer. Si tu as la foi comme un grain de sable, tu peux monter dans la dimension supérieure de la gloire de Dieu. Faire descendre sur toi un manteau de gloire. Oh bien-aimé, commence à prier. De gloire en gloire.
gloire, laisse-toi monter dans cette dimension. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Oui, la foi, simplement la foi. Tu m'emmènes. Ne doute pas dans ton cœur. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, tu cherches un homme de foi. Tu m'emmènes. Un homme selon son cœur. Dis le Seigneur, emmène-moi de gloire en gloire. Emmène-moi, Saint-Esprit. Saisis-moi. Fais-moi monter sur la montagne de Sion. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Proclame-le ce soir. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, je le crois, Seigneur. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est seulement avec toi que c'est possible. Hey, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Personne, 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 personne n'est comme toi. Le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi, non, personne, Seigneur. Seigneur. Personne. Dis-le ce soir, personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Toi seul es digne. Tu es saint, saint, saint. Trois et je proclame ta sainteté. Je me lis aux anges ce soir. Comme toi. Oui, que mon chant ce soir. Sois avec les anges qui chantent ta gloire dans le lieu saint sur la montagne de Sion. Tu es saint, 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 Seigneur. Toi, Seigneur, mais comme toi, tu es le Dieu. Escalade cette montagne. Cherche la sanctification. Oh, nous implorons ton sang, Jésus. Dans les profondeurs. Parce que ton sang nous lave. De ta sainteté, tu m'emmènes. Ton sang nous lave, Jésus. Tu m'emmènes. Ton sang est une robe de gloire sur nous, Jésus. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. Ce soir, nous avons compris. Oui, tu cherches un peuple saint, parce que toi-même, tu es saint, saint, saint. Seigneur, nous voulons marcher dans la sainteté. Seigneur, nous voulons nous repentir encore et encore et encore. Changer nos mentalités. Ne pas simplement rechercher, Seigneur, le salut. Non, nous voulons habiter sur la montagne de Sion. Nous voulons pour l'éternité. Tu es un Dieu éternel. Tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as créés éternels pour une destination. Alors éternellement, éternellement, nous voulons habiter au plus près de toi. Mais Seigneur, quel privilège si nous pouvons nous blottir contre ton sein. Être dans tes bras d'amour, Père. Qui pourra s'approcher? Qui? Toi-même, tu dis qui? Qui séjournera dans ta tente, dans ta maison, dans ton sanctuaire? Qui?
Est-ce que c'est toi, bien-aimé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? La sanctification, la sainteté, la bonté, la piété, l'amour, la compassion, le pardon, l'unité. Voilà la voie par excellence, l'amour. La voie par excellence, l'amour. Méditer ce psaume pendant toute la semaine. Bien-aimé, que chaque jour que Dieu nous fait grâce, que nous recherchions la sainteté, que nous recherchions ce cœur selon Dieu. Parce que Dieu cherche un homme selon son cœur, une femme selon son cœur. Que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tous les jours, je veux faire ta volonté. Tous les jours, je veux me laisser transformer. Tous les jours, je prends la voie par excellence qu'est l'amour. Oui, tu as dit, Seigneur, que l'humilité précède la gloire. Seigneur, je veux être comme toi, Jésus. Tu t'es fait humble parmi les humbles. Tu t'es abaissé à prendre la dimension de l'homme. Seigneur, je ne recherche pas la gloire, Seigneur. Non, je recherche d'être dans le lieu de la gloire. Parce que toute la gloire te revient. Je veux habiter dans le lieu de la gloire. Je veux manifester ta gloire. Je veux démontrer ta gloire. Oui, que la louange et la gloire te soient rendues. Que la louange et la gloire te soient données. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux le dire, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Nous vous invitons à partager les vidéos, à méditer encore sur tous les psaumes. Et nous nous retrouvons lundi prochain à 21h dans Habitants de Sion, 30 minutes dans la présence de Dieu avant de s'endormir. Bien-aimé, continue à rester dans cette atmosphère d'adoration. Continue à dire à Dieu que personne n'est comme lui. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oui Seigneur, personne n'est comme toi.